On y va. Sous position. Commando, commando, commando. Nous sommes dans l'armée, nous sommes dans l'armée. Où est ma commando du Seigneur? Est-ce que je ma commando, ma lenda d'esprit? On y va. Commando. Il y a pas un SFC, ma commando du Seigneur. Commando. Ah, ah, ma maman, ma lenda, ma papa. Commando. Ah, commando, commando. Commando. Commando, commando, commando. Commando. Commando, commando, commando. Yoka, sous position. Après sa saison, après sa saison, pour la bénédiction à gauche. Ah, j'ai dit à gauche, attends, yo, beaucoup de choses. J'ai dit à gauche, marquez le pas, marquez le pas. Le pas, à marquer le pas, oh, la bénédiction à droite, c'est bien, ça commence à viendre. Oh, la bénédiction derrière, je l'oublie derrière, 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 derrière. Oh, la bénédiction devant. Commandez-le, 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 commandez-le. Après sa saison. Oh, la bénédiction à gauche. Oh, la bénédiction à droite. Attention, Siko, attention. À gauche et à droite. Oh, on est succès à haut.
Seigneur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a conscience que Dieu lui a fait du bien? Donne-moi d'eau, j'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu. J'ai l'impression qu'on n'a pas bien célébré. Dis à ton voisin, tu dois célébrer le Seigneur. Dis à ton voisin, quand tu viens le dimanche, tu viens rendre un culte à Dieu. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour nous dans un premier temps. Il faut changer cette mentalité qu'on a. Les gens ont l'habitude de savoir que si je viens à l'église, c'est pour que Dieu résoudre mes problèmes. Cette mentalité est une mentalité erronée, c'est pas celle qu'on devrait avoir. Quand on vient à l'église, c'est pour rendre un culte à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à rendre un culte à Dieu? C'est lorsqu'on rend un culte à Dieu que Dieu décide de nous faire du bien. Mais quand tu viens pas pour rendre un culte à Dieu, mais tu viens pour toi, sois-en sûr, à moins que Dieu dans sa grâce et sa miséricorde décide de te visiter, c'est pas le processus qu'il faut avoir. C'est pourquoi j'aimerais qu'avant qu'on entre au moment de la parole, que tu puisses bien célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alors j'aimerais déjà que tu puisses dire à ton voisin, voisin, j'aimerais que tu célèbres Dieu. Dis à ton voisin, voisin, s'il te plaît. Hein? Regarde, fais comme si tu étais dans un concours de danse. Kobi maléchek na lolate. Ne sois pas l'échec là-bas au paradis. Dis-lui s'il te plaît, voisin. Oyo qui s'assève ses sonités, pardon. Dis-lui s'il te plaît, voisin. Aide-moi à montrer à Dieu qu'ici on sait le célébrer. Je chanterai de tout cœur. Chante avec moi. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur. Les merveilles de mon papa Yahweh. Ôté. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur. J'aimerais que quelqu'un pousse des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Tu peux acclamer Jésus. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, célébrons Dieu, célébrons Dieu. Dis à ton voisin, célébrons Dieu, célébrons Dieu. Moi, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et encore moi, je chanterai de tout cœur les merveilles. De je ne vois pas quelqu'un qui le fait. Yahweh, il m'a ôté, il m'a délivré. Et puis j'aimerais que tu puisses dire comme ça. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. Mon papa, il est comment est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, je me suis dit, dis-lui mon papa. Il est comment est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Regarde ton voisin, j'aimerais que tu puisses le dire comme si tu disais à ton voisin. Que tu le fasses comme une déclaration, comme si c'était une déclaration. Dis-lui mon papa il est comment est fidèle, il ne m'abandonne.
Est-ce que ton voisin te comprend? Est-ce que ton voisin te comprend? Est-ce que ton voisin te comprend? Dis-lui, dis-lui mon papa. Il est comment, comment? Célébrer Dieu, je n'ai plus rien à craindre, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Est-ce que quelqu'un qui a un papa fidèle peut pousser des cris de joie? Je n'entends pas des cris de joie. Pousse, 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 pousse. Oh oui, je suis dans la joie, mais une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je ne vois pas ta joie. Je ne vois pas ta joie. Oh, je suis dans la joie. Je ne vois pas ta joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Est-ce que quelqu'un à qui Dieu a fait du bien est ici? Est-ce que quelqu'un à qui Dieu a fait du bien est ici? Dis-le avec moi. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis. Moi je suis dans la joie. Une joie comment? Je suis. Car Yahweh, j'aimerais que tu puisses le dire en sautant. Dis-le avec moi. Je suis dans la joie. Je suis dans. Sautez. Je suis. Je suis dans la joie. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Papa. Alléluia, Hosanna na Makana Suka. Alléluia, Hosanna na Kayaya. Alléluia, Hosanna na Sapa. Alléluia, Hosanna na Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bravo. Alléluia, Hosanna. Poussez des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna, 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 Hosanna,
vivant, oh Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus est. Il est. J'aimerais que tu puisses le dire avec moi, dis-le. Il est vivant, oh Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Lève ta main droite là où tu es, lève ta main droite, lève ta main droite. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de sa parole, j'ai besoin que tu me fasses du bien. J'ai besoin que tu puisses me parler. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu me parles, que tu me parles. Que tu me parles. Moi je chante, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. J'aimerais dire, il m'a choisi, le roi des rois. Aller plus loin disant qu'il m'a aimé, mon Jésus. Il m'a aimé. Il m'a aimé, mon Jésus. Il m'a aimé. J'aimerais le dire, il m'a sauvé, le grand vainqueur. Il m'a sauvé. Plus encore, il m'a sauvé, oh Jésus. Il m'a sauvé. Je vois que il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Je le vois, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Je crois. Le grand Jésus. Il m'a aimé. Il m'a aimé, oh Jésus. Il m'a aimé. Pour finir, je le dis, oh, il est ici le grand vainqueur. Il est ici. La solution à mon problème, il est ici, mon Jésus. Il est ici. Là où je chante, alléluia. 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 Amen. Je pousse des cris de joie pour Jésus. Il m'a aimé. Je disais que je poussais des cris de joie pour le roi. Il m'a aimé. Et puis au-delà des cris de joie, j'ajoute des acclamations pour le grand vainqueur de Golgotha. Et je dis qu'il m'a aimé, oh Jésus. Il m'a aimé. Chantons, chantons, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tous les noms, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Yaya. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je dis qu'il a reçu, le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je dis tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu pendant 2 minutes? Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu pendant quelques minutes? Je sens un mouvement de l'esprit ici. Je sens un mouvement de l'esprit ici. Quand Christ est glorifié, qu'il prend la première place, le mouvement de l'esprit devient très facile. Alléluia. Je
Je sens l'atmosphère du ciel descendre sur la terre. Je sens la volonté de Dieu dans les cieux descendre sur la terre. Je sens une atmosphère dans les descendre ici. Il y a comme quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Pendant que je suis en train de parler, celui qui est disposé peut même recevoir sa délivrance. Pendant que nous sommes en train de parler, celui qui est disposé peut recevoir sa guérison. Je vois la main de Dieu toucher le peuple ce matin. Dieu me dit, je suis même en train d'essuyer les blessures intérieures de plusieurs. Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un ici. Celui qui est en esprit peut le sentir avec moi. L'atmosphère est comme bouleversée. C'est comme si la main de Dieu était là. C'est comme si la main de Dieu est là. Je sens, c'est comme par des signes, je le sens. Je le sens comme par des signes que l'atmosphère est comme bouleversée. Oh Dieu des cieux, Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, tu puisses continuer de prier. Profite de l'atmosphère. Alléluia. 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 Shada baba baba le parane masi shana nana ma le ne me sune shana sa parada ma ya shada da 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 ba ya baba 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 ke lo ni se li na ma shana na 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 Yahweh, Alléluia. Naye koguma melayo. Liboso nayo na pusani. Naye koguma melayo. Maboko nangaye. Natumboli Naekoguma Melayo. Lève tes mains dans la foule, lève tes mains dans la foule. Yahweh Naekoguma Melayo. Je sens vraiment une atmosphère autour de moi. C'est comme s'il y avait une atmosphère lumineuse qui est là. C'est comme si la grâce de Dieu par sa gloire est en train de descendre ici. Si les protocoles peuvent même être attentifs dans la foule. Je sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour quelqu'un ce matin. Mais quand tu lui rends un culte, Dieu sait bouleverser les choses. Quand tu lui rends un culte, Dieu sait toucher les vies. Naye koguma melayo.
Kumela. S'il te plaît, Sobele la maquille, Emana yembi yango, Emae, Fongole la malola. S'il te plaît, Emae, Sobele la maquille, Nayoki posa, Nayoki posa, Komata, Yako mata na lola, Yako yemba ya ya. Matinga na lobi, yako mata na lola, nasi yako yemba mo, yako yemba, yako yemba na bange. Kasi si te ple mae, mae, fongole la ma, fongole la ma lola, mae mae mae, mae, sopele la ma ke, na bagi si si te ple ma. Fongole la malola, Emae, sopele la makembo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia.
Mais Saint, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin est que tu puisses nous faire du bien. Seigneur, nous pouvons sentir ta présence. Nous pouvons le voir par des signes qui ne trompent pas. Parce que premièrement, il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 27 que tu seras avec nous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Mais Seigneur, tu vas plus loin en disant que là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Mais la Bible me dit aussi, Père, que quand les frères et sœurs demeurent dans la communion, c'est là que tu déverses ta gloire. Seigneur, ce matin, nous pouvons être témoins de combien tu es capable de déverser ta gloire. Mais Seigneur, au-delà de ça, nous aimerions que tu puisses nous parler, que tu puisses nous faire part de la parole du jour, que tu puisses nous orienter, que tu puisses bâtir notre homme intérieur, que tu puisses nous instruire et nous conseiller, car il est écrit dans le livre de Psaume, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et je garderai mon regard sur toi. Seigneur, c'est accompagné de cette parole que nous voulons que tu nous instruises, que tu nous montres le chemin à suivre, que tu nous conseilles et que tu gardes ton regard sur nous. Nous prions ainsi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le Dieu de ma vie, le consommateur de ma foi, le roi des rois, le prince des paix, Seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Judas, Narcisse de Charon, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, l'admirable conseiller, celui qui est, qui était et qui vient, le chemin, la vérité et la vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et puis la fin, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu puisses regarder 4-5 voisins dans la salle et que tu puisses lui dire, mon âme bénit l'Éternel. Quand tu lui dis, mon âme bénit l'Éternel, dis-lui aussi que ton âme bénisse l'Éternel et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis j'aimerais que tu puisses lui annoncer, comme on est le 29. Et qu'on entre dans le mois de novembre. Dis-lui que le mois de novembre, c'est le mois de la gloire. Mais tu lui dis pas, dis à ton voisin, cherche 4-5 voisins. Dis-lui, le mois de novembre, c'est le mois de la gloire. Dis-lui, le mois de novembre, c'est le mois de la gloire. En ce mois de novembre, on doit avoir un mot qui base tout notre mois de novembre. Et le mot que j'aimerais te donner, c'est la gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour ça si tu le crois? Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. Tu restes debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup aux chantres qui ont été très prophétiques et très inspirés. Qui ont été très inspirés de m'emmener dans cette atmosphère. Le monde spirituel, c'est un monde des atmosphères. Et pour que je prêche bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'ai besoin d'entrer dans une certaine atmosphère. C'est pourquoi je
généralement, avant de prêcher, j'aime chanter pour me faire entrer dans une certaine atmosphère. Et quand les personnes qui sont avec toi t'aident à entrer dans cette atmosphère-là, c'est encore mieux. Quelqu'un ici doit se dire, peut-être c'est pas biblique. La Bible dit que Élisée un jour doit prophétiser. Élisée dit, avant que je prophétise, emmenez-moi mon joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe arrive, il commence à jouer seulement. L'atmosphère autour d'Élisée change. Et la Bible dit que la main de l'Éternel, dès que le joueur de harpe commence à jouer, se pose sur Élisée. Et c'est à ce moment-là que Élisée peut commencer à servir. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, il faut entrer dans l'atmosphère pour que l'onction coule facilement. Rapidement, nous sommes dans le livre de Ésaïe au chapitre 38. En tout cas, merci beaucoup les chantres, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vraiment, j'ai senti que vous étiez dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? On ne les acclame pas eux, on acclame le Seigneur pour eux. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres, s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse, toi qui le fais. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 38. Du premier verset jusqu'au cinquième verset. On va lire simplement deux portions des Écritures. J'aimerais qu'on puisse lire seulement deux portions des Écritures. Ce matin, j'aimerais pas être long. J'aimerais vraiment pas être long, mais j'aimerais orienter quelqu'un par le moyen de l'Esprit. Ésaïe 38, du premier verset au cinquième verset, je vais lire pour tout le monde. Si tu vois que ton voisin n'a pas la Bible, lis avec lui. La Bible dit, en ce temps-là, si on était de nos jours, j'allais dire à quelqu'un, en ce mois de novembre qui entre, en ce mois de novembre 2023 dans lequel on est en train d'entrer, la Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le roi Ézéchias était très malade. Pourtant, Ézéchias signifie « L'Éternel est ma forteresse ». Mais Ézéchias était très, très, très malade. Il était malade à la mort. C'est-à-dire, c'était une maladie qui conduisait vers la mort. J'aimerais rappeler aux enfants qui peuvent déjà aller à l'extérieur pour commencer leur programme. Non, il pleut. Moi, dit qu'il pleuvait. Il faut aller dehors, ils ont un endroit où ils se cachent. Si les enfants peuvent déjà aller dehors. Alors la Bible dit, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et à ce même temps-là, il y avait un prophète du nom d'Ésaïe. C'est un prophète qui est très connu. Il était fils d'Amots. Ésaïe vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. En d'autres termes, arrange déjà ton départ. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et fit cette parole à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi. Kanisa. Regarde dans ta mémoire. Regarde dans ton livre de souvenirs. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias repentit d'abondantes larmes. Donc Ézéchias
Ézéchias a commencé à beaucoup pleurer. Ézéchias a bandi kolela mingi penza. Puis on peut s'asseoir, merci, on peut acclamer la parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Maloba l'ensemble bien essayé dans le langage oyo. Va. Kende. Et dit à Ézéchias. Loban Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Boye lobi yawo ensemble. Le Dieu de David. Zambe ya Dawidi. Ton père, Patanayo, j'ai entendu ta prière. Nayo ki libondeli nayo. J'ai vu tes larmes. Na moni pinzoli nayo. Voici, j'ajouterai à tes jours. Tala na kobaki sala mikolo nayo. 15 années. Vula jomi na mitano. On va prendre une deuxième portion des Écritures. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Kaka la mokana na Isaïe. On va être au chapitre 43, au verset 26. Je vais le lire pour tout le monde, ça va être très simple. Pour ceux qui notent, Ésaïe 43, verset 26. La Bible parle, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-toi-même pour te justifier. Je répète encore une fois. Dieu parle à un homme et lui dit, toi, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, c'est-à-dire faisons une négociation. Commençons à entrer dans une sorte de jugement ensemble. Rentrons dans un certain jugement, toi et moi. Mais toi-même, parle pour toi. Pour te justifier. Parole du Seigneur. Alors, ici, on a lu deux textes. Dis à ton voisin, le prophète ne va pas être long. On a lu deux textes. Les deux textes sont dans le livre d'Ésaïe. Avant de prêcher, j'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa. Que là où il est, que Dieu le bénisse davantage. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. J'aimerais bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église. J'aimerais vraiment bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Et j'aimerais bénir Dieu pour l'église en général. J'aimerais aussi saluer le prophète de Kinshasa. Non, le prophète de Kinshasa, de CFC. Papa Rabbi, que Dieu le bénisse là où il est. Papa Rabbi, ici Kazali. Et je salue toute l'église de Kinshasa. Kinshasa. J'aimerais bénir Dieu pour la vie d'une personne ce matin. Aujourd'hui, vers 6h30, j'ai reçu un appel. Et j'étais très surpris. Je vois mon téléphone sonner, alors je me dis, qui m'appelle à 6h30? Moi, je vais prendre la route pour aller à l'église. Qui est-ce qui m'appelle? Je pensais même que j'allais être en retard. Je préparais mes affaires rapidement pour descendre. Et j'ai vu mon téléphone sonner, maman Yolande Poutou. Elle est partie à Kin depuis deux semaines. Elle m'appelle, elle me dit, comment ça va papa, etc. Je dis, ça va et vous? Elle me dit, Kinshasa, les embouteillages. J'ai dit, les embouteillages de Kinshasa ont l'onction. Je dis, vous allez vous habituer. Ara m'a dit, papa, saluez l'église en mon nom. Alors, j'aimerais qu'on puisse la saluer. Est-ce qu'on peut saluer maman Yolande? Que Dieu la bénisse. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est quoi? C'est qu'elle m'a dit, papa, je vous ai appelé juste pour vous encourager. Je vous ai juste appelé pour vous encourager. Je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de vous encourager. Elle m'a dit parce que je sais que ça ne doit pas être facile tout le temps. Mais je prie que Dieu soit avec vous. Alors elle a dit merci beaucoup papa, c'était tout. Donc, jusqu'à présent, je suis surpris. Donc, quelqu'un m'a appelé simplement pourquoi? M'encourager. En tout cas, que Dieu la bénisse là où elle est. On a besoin de ce genre de personnes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alors, on parle d'un texte ici. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe était prophète. Ésaïe est d'ailleurs dans la Bible, quand on parle des prophètes, Ésaïe est compté parmi les prophètes majeurs. Parce que il fait partie de ceux qui ont annoncé les
grosse prophétie, si on peut dire ça comme ça. Il fait partie d'ailleurs de ceux qui ont annoncé que le Christ allait venir sur la terre. Il fait partie de ceux qui ont annoncé la venue de l'Emmanuel. Il fait partie de ceux qui sont là. Il fait partie de ces personnes-là. Et Esaïe, dans son texte, nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Ézéchias. La Bible dit qu'en ce temps-là, Ézéchias était malade. Au point même de mourir. Et Ézéchias était vraiment malade. C'est-à-dire, j'imagine Ézéchias qui est à l'agonie. Au bord du gouffre. J'imagine Ézéchias être vraiment en train de préparer ses derniers jours. J'imagine Ézéchias être vraiment comme en train de se dire, bon, peut-être qu'il me reste que quelques jours. Peut-être ça, parce que lorsque Esaïe se présente devant Ézéchias, Esaïe dit à Ézéchias, donne déjà les ordres aux gens de ta maison. En d'autres termes, il lui dit, laisse déjà un testament. Et vous savez, souvent, quand un prophète vient vous dire que c'est Dieu qui m'a dit, c'est facile de vouloir contredire. Hein. Vous savez, quand un prophète prophétise sur vous, ça fait même peur directement. Ça, souvent, même les prophètes en profitent pour être des gens qui intimident les gens. Vous allez voir un prophète, il va arriver... Même son visage commence à changer déjà. Il devient, oh je vois. Et souvent, les prophètes commencent à avoir des gestes dans la main comme ça. Et il dit, oh, arrête, commence à parler en langue. Alors généralement, quand on voit ça, on commence beaucoup à s'inquiéter. J'ai vu les Congolais vraiment... J'ai vu un Congolais écrire sur Internet. Ne vous confiez pas en vos amis. Parce que vos amis vous trahiront et le diront à quelqu'un d'autre un jour. Et puis il y a un autre Congolais qui a répondu, il a dit, Okutana na nuna prophète. Parce que généralement quand un prophète vient nous parler, on a comme la représentation de Dieu direct qui vient nous parler. Surtout les prophètes de nos jours viennent avec des gros bazins. Et puis ils laissent beaucoup de barbe comme moi. Certains même encore rajoutent les cheveux. Alors il vient vraiment comme ça, alors tu te dis, lui il sort tout droit de la montagne. Je ne sais pas où il a dormi aujourd'hui, mais s'il me parle, c'est sûr que ça ne va pas rater. De telle sorte à ce que maintenant les gens même, quand ils voient des prophètes, ils commencent déjà à se cacher. C'est de nos jours que les gens maintenant aiment beaucoup les prophètes. Avant, les gens n'aimaient pas beaucoup les prophètes. Parce que avant, quand on voyait les prophètes, on savait déjà que ici, si j'ai péché hier, il va me dire ça. Parce qu'ils sont beaucoup comme dans des intimidations. Alors j'imagine un peu Esaïe. Surtout quand on voit... Regardez un peu les descriptions qu'on donne à Élisée. Élisée était chauve. Avec beaucoup de barbe. Et même un jour, il y a des enfants qui se sont moqués de sa calvitie. Il les a maudits, les chiens sont venus les manger. Regardez un peu les caractéristiques des personnes. Les prophètes, c'est des gens très compliqués. Parfois, les prophètes sont très colériques. Ça veut dire que quand tu arrives devant un prophète, généralement, on titube un peu. C'est rare les prophètes qui rigolent avec les gens comme moi. C'est rare. Moi, je rigole quand même avec un prophète. Et... Oui, c'est ça. C'est rare. Moi, je vous dis que je côtoie des prophètes, c'est rare. Quand tu le vois déjà rentrer dans la salle, il rentre comme ça. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire ici? Un jour, je me rappelle, j'étais dans une convention. On devait prêcher maintenant, c'était... Le thème de la convention, c'était garnison des prophètes. Ça veut dire on était trois prophètes. Moi, je suis venu chemise avec un pantalon simple. C'était le veillé. Alors, je suis venu
Ce jour-là, je me suis posé la question si j'étais prophète. J'étais le seul qui était en chemise, les autres étaient avec des bazins. Moi aussi, je mets des bazins. Hein. Ça m'arrive, j'aime ça, c'est un peu quand même stylé. Alors, ils arrivent avec des bazins maintenant. Moi, pendant la louange, moi vraiment, je loue Dieu quoi. Et puis, je vois les autres prophètes qui sont comme ça. Et quand tu le regardes, tu te dis, mais. Quand tu le regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il voit dans ma vie? Tu te poses des questions, mais. Et les prophètes sont compliqués. Alors maintenant, surtout les prophètes de nos jours, encore plus. Hein. Alors, maintenant, j'imagine un peu quand Ézéchias arrive devant Ésaïe. Tu sais, souvent, les gens pensent que. Le prophète est seulement la personne qui donne des messages. Or, j'aimerais vous dire une réalité dans la vie du prophète. Le prophète n'est pas forcément celui qui donne le message. Mais un prophète, sa vie tout entière est un message. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David, quand Isaïe le voit directement, il lui demande pas qu'est-ce que tu veux nous dire, il dit qu'est-ce que ta présence annonce-t-elle. Parce que un prophète n'est pas forcément celui qui donne le message. Est-ce que quelqu'un ici sait que Abel était prophète? Abel était prophète, c'est pourquoi la Bible dit que je vengerai le sang de tous mes prophètes, d'Abel jusqu'à Zacharie. Mais Abel, nulle part vous le voyez prophétiser par des mots. Mais Abel a prophétisé par un acte qu'il avait posé. Et alors, Esaïe arrive et il voit Zacharie. Alors, quand il voit Ézéchias, il dit Ézéchias. En tout cas, Dieu m'a dit prépare-toi parce que tu meurs. Hein. Et puis, les prophètes généralement sont des personnes qui on a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. Il peut t'annoncer ta mort et il pleure pas. Tu as l'impression qu'il n'a pas forcément de compassion. Il te dit Dieu va te frapper. Et puis, il est très à l'aise quand il te dit ça. Tu peux même pleurer devant lui, c'est comme s'il ne réagissait pas. Mais j'aime beaucoup plus la réaction de Ézéchias. Et c'est ici que je commence à prêcher. Dis à ton voisin, le prophète prêche maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une réalité du monde spirituel. La Bible dit quand Dieu parle par Esaïe, Dieu parle à Ézéchias. Il dit à Ézéchias, je suis sur le point d'enlever ta vie, c'est fini. Si c'était toi et moi quand on reçoit une prophétie, pour nous c'est intact et puis il n'y a plus rien qui se passe, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas une chose, c'est que dans le monde des esprits, il est possible de changer les décisions de Dieu. Dans le monde des esprits, un chrétien a la possibilité de changer les décisions de Dieu. Pas toutes les décisions. Mais il y a des décisions que Dieu nous donne la capacité de changer. Par plusieurs canaux. Et parmi les canaux qui nous permettent de changer ça, il y a ce qu'on appelle réveiller la mémoire de Dieu. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Il y a ce dit à ton voisin, réveiller la mémoire de Dieu. Réveiller la mémoire de Dieu. Réveiller la mémoire de Dieu. Quand Ézéchias entend cette parole, Ézéchias dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il dit que normalement les choses ne peuvent pas finir comme ça.
Normalement, je ne peux pas mourir comme ça. Normalement, cette situation ne peut pas rester comme elle est. Dieu peut quand même me faire une faveur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te fasse une faveur. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te fasse une faveur. Et Ézéchias, quand on se rend compte de cela, la Bible dit que Ézéchias prend sa tête et qu'il la tape contre le front. Le mur. Et il commence à prier contre le mur. Mais quand il prie, Ézéchias ne se lamente pas. Quand il prie, Ézéchias ne demande pas à Dieu. Quand il prie, Ézéchias fait quelque chose de spécifique. Il fait ce qu'on appelle réveiller la mémoire de Dieu. C'est ce qu'on a dit dans Ésaïe 43. Dieu parle à un homme, il dit, je connais tes péchés, etc. Mais on va aller simple. Comme tu veux que je change la donne, Ésaïe 43 verset 26, il dit, réveille ma mémoire, entrons dans un débat, justifie-toi toi-même. Et c'est ce que Ézéchias a compris qu'il fallait faire. Et Ézéchias commence à parler avec Dieu. Et quand Ézéchias parle avec Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai été juste devant toi. Souviens-toi que j'ai fait ce qui était bon à tes yeux. Et Dieu a fait marche en arrière. Dieu a dit, ah, je me souviens. Je me souviens. Avant Ézéchias, son père, le roi qui était avant lui avait saboté le sanctuaire de Dieu. Mais Ézéchias, quand il est arrivé à la royauté, Ézéchias avait pris une décision. Il avait remis en place le culte à l'Éternel. Il avait décidé à ce qu'on puisse abolir toutes les idoles, qu'on adore quelqu'un. Dieu, il avait refusé ça. Il avait dit que tout son peuple doit seulement adorer le Dieu des armées. Et Ézéchias a commencé à poser des bonnes actions. Il a placé le culte et arrangé l'holocauste. Et à ce moment-là, Dieu s'est souvenu de ce que Ézéchias avait fait pour lui. Et quand Dieu s'est souvenu de ce que Ézéchias avait fait pour lui, Dieu a dit, En réalité, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je puisse quand même changer sa vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu puisse se souvenir de toi. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je disais que Dieu se souvienne d'un bienfait que tu as fait. Je disais que Dieu se souvienne de toi. Et quand on réveille la mémoire de Dieu, Dieu vient et il ouvre le livre de souvenirs. Et quand Dieu ouvre le livre de souvenirs, il ne veut pas te laisser comme tu es. La Bible dit, ces temps-là. Ça peut être les temps comme on est. Certainement, tu vois que l'année est en train d'arriver à la fin. Ici, on annonçait que novembre, c'est le mois de la gloire. Mais toi, tu vois complètement le contraire. Arrête de pleurer. Mets-toi à genoux. Et dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Quand on a trouvé la nouvelle salle et qu'on a demandé l'argent pour les chaises, j'ai même fait sortir 5 euros de ma poche. Et quand Dieu se souviendra, il décidera de te faire du bien. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand Dieu se souviendra, il décidera de te faire du bien. Parfois, on ne prie pas correctement. La Bible dit, vous demandez mais vous recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mais vous ne savez pas présenter les bonnes choses à Dieu. Je vous donne l'exemple d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Il a eu une prière exaucée parce qu'il a réveillé la mémoire de Dieu. Il y a certainement quelque chose avec lequel tu peux réveiller la mémoire de Dieu.
Si c'est même pas Mephibosheth, m'envoie un message. Ne vous mettez pas tendu message. Et prophète, même si c'est pas un bienfait que moi j'ai fait. Il est possible que ce soit un bienfait que mon père a fait. Parce que un jour, la Bible dit que David s'est souvenu. Quand David s'est souvenu, David a cherché, Il a cherché quelqu'un qui venait de la maison de Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan avait fait un jour un bienfait. Je prie pour tous les bienfaits que tes parents ont fait que tu puisses récolter le fruit. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je dis que Dieu te donne de récolter les fruits des bienfaits. Trompez-vous. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Alors si toi tu estimes ne pas avoir mentionné les choses, moissonner les choses que tu as semées, rappelle le rémunérateur. Moi personnellement, si je commence à voir flou dans ma vie, je veux dire à Dieu, Seigneur, moi j'étais jeune, j'aurais pu faire comme tout le monde. J'aurais pu vraiment faire comme tout le monde. Et moi, je suis venu tranquillement, j'ai commencé à prêcher, à te donner ma vie. Papa Naïbi, j'aurais pu faire comme tout le monde. Mais j'ai arrêté tout plein de choses. Je quitte, en plus de ça, je quitte Orléans à 6h du matin. Pour venir prêcher, tu laisses ma vie comme ça. Mais soyons quand même sérieux. Poser la question. Dis à Dieu vraiment, soyons quand même sérieux. Dis un peu à ton voisin, soyons quand même sérieux. Mais soyons quand même sérieux. Moi, je coupe mes nuits quand tout le monde est en train de ronfler. Moi, je coupe mes nuits pour te chercher. Et puis ça doit partir en vain comme ça. Mais soyons quand même sérieux. Je prie qu'aucune de tes prières ne puisse partir en vain dans le nom de Jésus. Je suis en train de rater le nom de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, tout acte que tu as eu à poser pour Dieu, sache que Dieu va te rémunérer. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu te rémunère. Que le mois de novembre ne finisse sans que tu puisses voir la rémunération de Dieu. Tu es venu à l'église tous les jeudis. Que Dieu te rémunère. Tu as servi Dieu par plein de choses. Que Dieu puisse te rémunérer. Même si c'est des choses que j'ai fait avant. Attends, que Dieu me rémunère. Que Dieu me rémunère. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me rémunérer? La Bible dit une chose. Un jour, mon corps, mon corps. Joseph est en prison, papa. Joseph n'a pas le corps. Il est avec un échanson. Mais bizarrement, quand l'échanson est sorti de la prison, Joseph lui a dit, maman, ne m'oublie pas. Mais la Bible est très claire. L'échanson ne se souvenait plus de Joseph. Écoutez, les hommes peuvent oublier les bienfaits qu'on fait. Les hommes peuvent être ingrats. Un homme, tu peux vraiment, tu peux le soutenir de matin jusqu'à... Mais il va oublier. Mais Dieu, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Si un homme peut oublier et ne pas te rémunérer, un homme n'est pas Dieu. Alors comme Dieu est Dieu, que Dieu puisse te rémunérer. Je disais que Dieu te rémunère. Je disais que Dieu te rémunère. Pourquoi un jour Zacharie m'envoie un message. Moi j'ai servi Dieu pendant longtemps. J'ai servi Dieu pendant tellement longtemps que je suis devenu même vieux. Mais Dieu ne m'avait pas encore rémunéré. Mais il existe un jour. Il existe toujours un jour. Il existe toujours un jour. Lui ne me regarde pas comme ça. Il existe toujours un jour. Lui ne regarde pas mon visage. Il existe un jour. Ce jour n'est peut-être pas encore arrivé, mais le jour existe. Je vais rassurer quelqu'un. Ce jour n'est peut-être pas encore arrivé, mais ce jour existe. Je prie que ce jour soit aujourd'hui pour toi. Je disais, je prie que ce jour soit aujourd'hui pour toi. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Mais ça ramène à bien à Pamolayo. Il existe un jour où on change tout.
vie, vous devez avoir conscience de quelque chose. C'est que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, il existe toujours un jour. Dieu n'a pas besoin de prendre 100 ans pour changer ta vie. Tu peux avoir même besoin d'une seule minute. Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour changer ta vie. Tu as peut-être même besoin d'une seconde seulement. Je dis à quelqu'un, il existe une seconde. Je dis à quelqu'un, il existe une minute. Il existe 30 secondes. Un instant seulement. Dieu peut tout changer. Zacharie a servi Dieu pendant longtemps. Mais Zacharie n'a pas vu la rémunération. Zacharie n'a pas vu les temps. Zacharie n'a rien vu. Zacharie n'a rien vu. Mais la Bible dit qu'un jour, je dis à quelqu'un, un jour. Il existe un jour. Il existe un jour. La Bible dit un jour. Un jour. Dis à ton voisin un jour. Il existe un jour. Je crois qu'il existe un jour. Ce jour-là, je pense que c'est dans le mois de novembre. Si tu ne vois pas aujourd'hui que la semaine prochaine tu puisses le faire. Quelqu'un ne va pas dire amen. Quelqu'un ne va pas dire amen. Je dis à quelqu'un, si tu ne vois pas aujourd'hui, en sortant d'ici, tu peux le voir. Il existe un jour. Pendant longtemps, tu as pleuré. Parce que tu n'avais pas de travail. Mais il existe un jour. Ton téléphone peut sonner alors que tu cherchais un travail dans le ménage. On peut te donner un travail à côté du président. Je ne sais pas à qui je parle. Il existe un jour alors que j'étais en train de chercher 10 euros. Mais c'est un jour là, un jour là. Généralement dans le un jour, le chiffre 1 c'est le chiffre de l'authenticité. C'est le chiffre qui montre les choses uniques. Toujours est un jour, mais toujours ne se ressemble pas. Toute heure est une heure, mais toute heure ne se ressemble pas. Tous les dimanches sont des dimanches. Mais tous les dimanches ne se ressemblent pas. Tous les lundis sont des lundis. Mais tous les lundis ne se ressemblent pas. Je prie que ton mois de novembre puisse pas ressembler au mois de novembre. Je disais que ton mois de novembre soit différent. En cette année de différence, je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que le mois de novembre soit différent des autres mois. Je ne sais pas à qui je suis en train de l'annoncer. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Que le mois de novembre soit différent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais un jour, Zacharie servait comme il avait l'habitude de servir. Il le faisait comme il avait l'habitude. Il y a un jour où la mémoire de Dieu a été réveillée. Il y a un jour. Vous savez, quand quelqu'un dort, on dit laissez-le un moment, il va se réveiller, n'est-ce pas? Laissez la mémoire dormir. Il va se réveiller un moment. Et un jour, la Bible dit qu'un ange apparut à Zacharie. C'est l'ange Gabriel, l'archange Gabriel apparut à Zacharie. Moi, j'ai mon cabimeli. Et quand il apparaît à Zacharie, il dit, Zacharie, écoute. Tu as l'habitude de servir jusqu'à présent. Mais tous les jours ne sont pas comme tous les autres jours. La façon dont tu as servi aujourd'hui a réveillé la mémoire de Dieu. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu de tes prières. Dieu n'a pas oublié. J'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit à Kinshasa. La prière n'est pas comme la nourriture. La nourriture a une date de péremption. Ça veut dire à partir d'un moment ça s'abîme, c'est plus comestible. Mais la nourriture, c'est la prière, c'est différent. Quand la prière vient auprès de l'Éternel, l'Éternel la garde. Et un jour, il décide que ce ne soit pas une date de péremption, mais que ça devienne une date d'exaucement. Je prie que Dieu te fasse entrer dans l'exaucement.
Zacharie ce jour-là, Zacharie a mokolo wana. Peut-être il était parti comme il avait l'habitude de partir. Il dit bon, je vais aller à l'église. Je vais servir, je mets mon col roulé comme le prophète Chavni. Je mets une petite veste, je mets des chaussures, un pantalon. Et si c'était dans nos jours, Zacharie aurait peut-être même pris sa voiture déjà. Il serait en train de rouler, il aurait dit ah, Ivry encore c'est loin. Je suis seulement à porte de la chapelle Ivry. Bon, le temps que j'arrive à Ivry, il y a les bouchons. Ah, on est un jeudi, en plus il commence à pleuvoir. Que je fasse demi-tour. Non, non, non. Je dis. Ce jour-là peut être différent des autres. On m'appelle, ah, non, j'avance quand même. Et puis Zacharie arrive là quelque part, il cherche une place à se garer. Et là, il voit qu'il n'y a pas de place, Zacharie dit, ah, ah, place. Et puis il prend la place, papa, papa. Arrête, quand il entre là, peut-être quelqu'un ne lui dit pas bonjour. Monsieur, quand me dit pas bonjour, Zacharie au-dedans de lui-même commence peut-être à murmurer. Mais lui ne m'aime pas, pourquoi, pourquoi il ne me dit pas bonjour? Zacharie monte ici, commence à chanter. Mon papa, mon papa est fidèle. Chante avec moi. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Je Henri, le prophète Chavni lui dit chante plus fort, Zacharie, chante plus fort. Zacharie, gagne la case, Zacharie, frère Zacharie. Et Zacharie continue, oh je suis dans la joie. Je suis et Zacharie aussi chante, il est dans la joie. Alors que Zacharie au-dedans de lui, il sait qu'il n'a pas d'enfant, mais il chante quand même. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Et Zacharie au-dedans de lui, il sait qu'à la maison, il n'y a pas d'enfant, mais je suis dans la joie. Zacharie sait qu'au-dedans, c'est dur, il n'y a pas d'enfant. Mais il chante quand même. Zacharie continue à chanter, il chante. Alors on dit bon, amen. Vous avez bien loué le Seigneur, acclamé pour Dieu. Tiens-toi debout, on va lire la parole. Zacharie aussi se tient debout. Frère Zacharie, ouvre la Bible. Zacharie aussi ouvre la Bible. Zacharie aussi commence à lire la Bible. Zacharie lit la Bible. Quand il lit la Bible, il lit la Bible. Zacharie finit de lire. Vous pouvez vous asseoir, acclamer pour la parole. Zacharie aussi acclame pour la parole. Est-ce que Zacharie peut acclamer pour la parole? Zacharie n'est pas là. Zacharie peut acclamer pour la parole. Et quand Zacharie acclame pour la parole, le prophète prêche, il crie, il déclare. Tout ça, tout le monde est content. Après, pouf, tout le monde est dans le culte. Mais Zacharie sent quelqu'un qui lui apparaît. Écoutez, vous voyez comme vous êtes là. Pendant les cultes, tout le monde ne vit pas la même chose. Est-ce que je parle à Zacharie ici? Et Zacharie voit un ange qui lui apparaît. L'ange lui dit, oh, tu avais l'habitude de venir. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de se souvenir. Et Zacharie, pendant le culte, quand tout le monde prie, Zacharie aussi prie. Et son voisin dit, ah mais Moutou, ça me l'a trop. Mais Zacharie, lui, il sait qu'il y a un ange qui est devant lui. Dieu s'est souvenu de toi. Arrête, Zacharie commence à pleurer. Maintenant, la personne qui est à côté de lui, mais si, oh, c'est quoi, pourquoi il pleure encore? Et puis Zacharie continue à prier. Zacharie prie. Et l'ange lui dit, Dieu s'est souvenu de toi. Parce que tous les jours sont des jours. Mais tous les jours ne sont pas les mêmes jours. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur quelqu'un que Dieu puisse te visiter comme il a visité Zacharie. Je suis en train de rater la main de quelqu'un. Je disais à quelqu'un que Dieu te visite s'il a vu comme il a visité Zacharie. S'il a pu le faire avec Zacharie, il peut le faire avec toi. C'est la réponse simplement de ta foi. Je prie de tout mon cœur que Dieu ouvre le livre de souvenirs et qu'il se souvienne de toi. Je veux quelqu'un que Dieu se souvienne de toi. C'est de toi qu'il s'agit de moi, bon amen. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu ne t'oublie pas. Que Dieu doit faire la liste. J'ai regardé la vidéo de quelqu'un qui disait si le jour il faudra lancer au ciel. Si mon nom n'est pas dans la liste, non, pas sur la liste. Congolais, Zakara, Congolais. Mais je prie de tout mon cœur que quand Dieu sera en train de faire la liste des personnes qui doivent venir, que ton nom ne puisse pas manquer. Je dis que ton nom ne manque pas. Non seulement que ton nom ne manque pas, mais qu'il soit écrit en gros et en gras.
Il faut le faire très sérieusement. Que Dieu ne te bénisse pas à moitié. Mais que Dieu te bénisse totalement. Quand tu fais du bien pour Dieu, quand tu viens à l'église, que tu sers le Seigneur, même si ce n'est pas facile, fais-le avec force. Fais-le de tout ton cœur. Parce qu'un jour, le jour là on ne le maîtrise pas, mais de notre côté il y a celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise les jours, et quand il aura décidé que ce jour puisse arriver, la Bible dit qu'un jour, dis à ton voisin un jour, la Bible dit qu'un jour, soudainement, c'était pas prévu. Quand Dieu décide que ce jour puisse arriver, ne demande pas l'avis de ton voisin. Quand Dieu décide que ce jour puisse arriver, ne va pas demander au prophète. Parce que s'il demande au prophète, le prophète va dire, frère, oh, au jour où on a qui retard, côté ça ici côté. Ce frère-là, le jour où il était venu en retard, mais Dieu, dans sa volonté parfaite à lui-même, décide qu'un jour, il puisse faire du bien à quelqu'un. Et la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a décidé de te faire du bien. Je dis à quelqu'un, Dieu a décidé de te faire du bien. Dans ce mois de novembre, que Dieu puisse te faire du bien dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réveille la mémoire de Dieu. Que Dieu se souvienne même d'un bien. Que Dieu se souvienne même d'une bonne chose que tu as fait. Que Dieu se souvienne même de quelque chose de bien que tu as fait. Et qu'à cause de cela, que Dieu puisse te faire du bien. La Bible dit que Esaïe a fait demi-tour. Et quand Esaïe fait demi-tour, Esaïe dit, le Dieu de ton père David a décidé de t'ajouter 15 ans de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous écoutez, même quand on vous annonce des choses, des prophéties, etc. Moi-même, je suis prophète. N'acceptez pas directement. Il y a des choses qu'il faut savoir aller demander auprès de Dieu. Allez, la Bible dit, ne négligez pas la prophétie, mais quoi? Examinez-la. Allez auprès de Dieu avec force. Et dire à Dieu, ça se passera pas comme ça. Comment moi, à un moment, tout le monde me disait, on voit, tu vas faire un accident, tout ça. Moi, à mon âge, faire un accident et puis partir. Moi, je ne suis pas marié. Je n'ai pas encore d'enfant. T'es moi, na, papa. Moi, bébé. J'ai pas encore d'enfant. Moi, la zate. Le million, j'ai pas encore touché. Bambo, ouais, belle, la simba tate. J'ai même pas encore impacté, même pas encore Zénith de Paris, je vais mourir comme ça. La terre est à la Zénith, t'es là, la couche à boy. Ah, pour ça. Moi, je vais mourir comme ça. Ma couche à boy. Toi, ça a quand même serré, pardon. Faut pas la nanou. Papa. Toi, ça a quand même serré. Tout à la marmeline et le robani. Ça a quand même sérieux. Tout à la marmeline et le robani. Ma mère n'a même pas encore vu mes enfants et puis moi. Maman langaï, amour et maman langaï, le lingaï, t'es beau et pétard. Je vais partir comme ça. J'ai pas encore vu papa faire stade de martyr. Ah, non, t'es papa, c'est le stade de martyr. Bon, on va la couper. Jamais! Yes! On n'est même pas encore entré dans la nouvelle salle et moi je. Ah, ton coup de la salle, il a besoin de me mettre. Ça l'a quand même sérieux. Sois un peu sérieux. Oh, je vous dis, on m'a dit, prophète. On a fait un rêve, tu es fait accident. Yo, ça l'a 4-5 fois. Mbalamine, mbalamita. Je dis, ah bon? Ah. Ok. Puis moi, je suis allé voir Dieu, je dis, Seigneur, ça a quand même sérieux. Ah, ça a sérieux. Sois un peu sérieux. Moi, partir comme ça. J'ai même pas vu mon grand frère se marier pas encore. Mes petites soeurs, mes petits frères. Moi, partir comme ça. Même si on a dit la mort pour nous est un gain. Apôtre Paul, quand il a dit ça, il savait de quoi il parlait. La Bible est claire.
Christ a dit, je m'en vais vous faire une place. Quand j'aurai fini de faire la place, je reviendrai. Vous voulez me faire partir alors que lui-même n'a même pas fini de faire ma place. Soyons quand même sérieux. Un moment. Que moi, comme ça, là seulement, je pars. Non. J'ai même pas encore la barbe blanche comme le pasteur. Non, quand même sérieux. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dis à ton voisin, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. C'est ça, même les gens, Bazo, là, qui là, ma bé, ils sont en train, même de, si voir, sont en train de préparer ta mordille. Vous pouvez préparer comme vous voulez. Moi, là, j'ai pas encore fait telle chose. Il y a un homme dans la Bible, Siméon, il a dit, je ne mourrai pas tant que j'ai pas vu qui. Lui-même, il a décidé à quel moment il doit mourir. Et puis moi, je vais mourir comme ça. Mais soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Il faut, y a des choses qu'il faut savoir refuser. C'est ça ou c'est pas ça, pasteur? Amen. Nalobi Mabé? J'ai mal parlé. Est-ce que Nalobi Mabé? Est-ce que j'ai mal parlé? Toi-même, regarde ta vie. Tu t'es fixé des objectifs. Moi, personnellement, je touche même d'abord le million. Oh, quelqu'un dirait n'est pas d'accord avec moi. Ça vous plairait pas qu'un jour ici je vienne à l'église avec une grosse voiture? Oui. Qu'on achète, que CFC puisse acheter déjà son temple. Après tout ça, on veut quoi? Oui, c'est ça. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé, on dirait les jaloux. Écoutez. Apprenez à réveiller la mémoire de Dieu. Zacharie a vu que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Souviens-toi de moi. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me mets à genoux devant Dieu pour toi. Je prie le Dieu du ciel de se souvenir de toi. Seigneur, ne permets pas que le mal puisse arriver. Souviens-toi de tes enfants. J'élève ma voix et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la mort ne puisse pas te toucher. Amen. Que l'échec ne soit pas ton partage. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. On peut acclamer la parole. Lève-toi. Tiens les mains. Lève-toi. Tiens les mains. Dis à Dieu, Seigneur. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Lève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Tiens-toi debout. Tiens les mains. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu te souviennes de moi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Est-ce que quelqu'un peut réveiller la mémoire de Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais voir quelqu'un prier ici. Rappelle-toi de mes sacrifices, Seigneur, devant ta présence. Ma détresse, j'ai crié à l'éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Père. Il n'est pas resté indifférent. À ma requête, il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main et m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main et m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus. Oh,
tous ceux qui le cherchent. La vie est sans force, tu es le repos de mon âme. Mon âme est belle, oh mon Jésus, tu es tellement mon âme. Oh mon Jésus, tu es tellement mon âme. Ça, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est que tu fasses du bien à ton peuple. Ma prière est que tu bénisses ton peuple. Ma prière est que tu touches ton peuple. Que cette parole puisse non seulement rester gravée dans nos vies, mais qu'elle puisse avoir un effet immédiat dans nos vies. Souviens-toi de chacun de nous. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer mieux que ça? Quelqu'un peut s'asseoir. Dis à ton voisin, wololo, wololo. Il y a un Congolais qui a dit, faveur Mukoko a dit ça parce que ça veut dire kipe makambuna. Et moi j'aimerais t'interpréter le wololo. Vous savez ce que ça veut dire? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Dis à ton voisin, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, redis à ton voisin, wolo. Amen. On va passer au moment de page rose. J'aimerais ici qu'on puisse souhaiter les anniversaires. Et si tu sais que c'était ton anniversaire durant la semaine, que tu n'as pas eu le temps de t'inscrire, tu vas aussi avancer devant lorsque les personnes que je vais citer vont avancer. Nous avons maman mamie Flore qui peut s'avancer, papa Jean-Claude, frère Ruben Nibo, frère Steven. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que toutes ces personnes vont s'avancer? Acclame le Seigneur bien, acclame le Seigneur bien. N'acclame pas comme un jaloux, s'il te plaît. Acclame bien le Seigneur. On peut leur souhaiter joyeux anniversaire, tous ensemble. Tous ensemble. Ta main droite en leur direction, tu vas déclarer des paroles de bénédiction, tu vas dire à Dieu de leur faire du bien, tu vas dire à Dieu de se souvenir d'eux, tu vas demander à Dieu de les visiter, de les toucher. Élève ta voix, commence à prier. La Bible dit, je bénirai celui qui te maudit, qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. De la même façon que tu es en train de les bénir, le Dieu des cieux aussi te bénit. Je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que ta main ne manque pas d'être sur leur tête. Seigneur, on vient de le dire ici, souviens-toi de nous. Seigneur, je ne sais pas combien tu peux leur faire du bien. Je ne sais pas et je ne connais pas leurs actes. Mais la Bible dit que toi, tu nous connais, que tu sais tout ce que nous faisons. Qui voit même une fourmi noire dans le noir, dans un trou noir, sur une pierre noire. Vois et souviens-toi de toutes leurs bonnes œuvres. Et fais-leur du bien. Seigneur, souviens-toi de, souviens-toi de, souviens-toi de. Donne-leur des longues vies remplies de paix, de bénédiction, de grâce et de faveur. Je prie que la faveur soit leur partage et que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie et qu'ils habitent dans la maison de l'Éternel. Ainsi j'ai prié, nous disons tous Amen. 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 Amen.
pendant qu'il se lève. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'il se lève. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Toujours dans le même élan. Dis à ton voisin dans le même élan. Dis à ton voisin dans le même élan. On va passer à la bénédiction d'un enfant. L'enfant Tsinga Anelia. Très beau prénom, Anelia. Est-ce qu'on peut avoir avec nous l'enfant Anelia qui avance? On va prier pour Anelia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pendant qu'on apprend l'enfant? Donc, je ne peux pas mourir, il faut qu'on puisse voir le Anelia grandir. Dis à ton voisin, on doit voir Anelia grandir. Acclame le Seigneur. Pendant que tu es là, étends ta main droite en leur direction. Tu commences à prier pour l'enfant. Déclare de bonnes paroles. Et lève-toi, commence à prier. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons à Dieu. Présente cet enfant entre les mains du Seigneur. Je vais y être tué, abandonné sur ce parcours où les sous-mignons délaissent sans secours. Même le livre s'en côté, mais tu veux vraiment me déplacer de ton voisin. Tu me tueras la croix, tu as tout droit de vie. Le même monde est la terre de l'amour. Laisse-moi prier pour elle. Seigneur, comme ton oint, je te recommande Anelia. Je te recommande non pas seulement Anelia, mais je te recommande également ses parents. Ma prière est que tu sois avec eux. Seigneur, que cet enfant puisse grandir dans tes parvis. Que cet enfant puisse voir ta main tout au long de sa vie. Ma prière est que durant tout son parcours sur la terre des humains, que tu ne puisses jamais être loin d'elle. Seigneur, emmène-la dans tes voies, pas dans les voies du monde. Nous sommes dans un monde perverti à cause de beaucoup de choses. Mais Seigneur, je prie à ce que la perversion soit loin d'elle. Aide ses parents pour l'éducation, qu'elle grandisse selon les principes du royaume. Et que ta main ne quitte jamais sur sa tête. Ainsi j'ai prié que le ciel soit ouvert sur sa vie à tout jamais. Et que les difficultés ne soient pas son partage. Ainsi j'ai prié comme ton prophète. Et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils retournent à leur place. Dis-le avec moi. Un petit communiqué, j'aimerais rappeler aux Arimathées de respecter leurs engagements afin que l'Église puisse continuer à fonctionner de la meilleure des façons. Amen. Si tu sais que tu es arimaté, n'oublie pas que ta responsable, c'est Maman Fanny. Maman Fanny peut se tenir debout, s'il vous plaît. De ne pas oublier de respecter son engagement, d'aller auprès de Maman Fanny pour respecter l'engagement. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup, Maman. On peut s'asseoir, on peut acclamer le Seigneur pour cela. J'aimerais aussi rappeler à l'Église que nous avons déjà une autre salle, parce que peut-être plusieurs ont oublié. Nous avons déjà une autre salle et que nous prions Dieu que nous puissions y entrer très rapidement. Amen. C'est vraiment notre prière et le vœu de notre cœur. En venant ici ce matin, j'étais un peu pas très content de venir dans cette salle. J'ai hâte d'aller dans l'autre salle. Ça nous permettrait vraiment beaucoup de travailler mieux et dans des meilleures conditions. Amen, quelqu'un. Une plus grande salle, plus spacieuse, avec des meilleures conditions pour nous, où il n'y a pas trop de restrictions, etc. On peut vraiment mieux s'organiser, mais il faut qu'on respecte le processus. Amen. Le premier Adam a échoué, vous savez pourquoi?
Parce que quand il est arrivé sur la terre, il avait directement tout. Alors comme il avait déjà tout, il ne connaissait pas ce qu'on appelle le processus. C'est ce qui fait que Adam a échoué. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a respecté le processus. Il a commencé comme un enfant, il a grandi et il a acquéri les choses avec le temps. C'est ce qui fait qu'il n'a pas échoué. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, respectons le processus. On fait les choses pour que les choses se fassent correctement et qu'on puisse entrer dans notre salle. Mais j'aimerais prophétiser, dire qu'on rentrera bientôt. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen parce qu'il ne le croit pas. En tout cas, je veux, c'est le vœu de mon cœur et ma prière. Comme on a dit, le mois de novembre soit le mois de gloire. Si ce n'est pas le mois de novembre, même avant l'année 2024, qu'on puisse déjà entrer. Et je crois qu'on va y arriver par la grâce de Dieu. J'ai l'impression que je suis comme Moïse avec Israël et qu'on est en train de quitter l'Égypte pour arriver à Cana. Même si le temps dans les déserts dure, je sais que Dieu va le faire. Amen. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Dis à ton voisin, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. J'aimerais vous faire part, dans le même sens, par rapport à la salle, que nous faisons des travaux et qu'on a besoin de tout le monde, que ce soit des mains pour aider ou de l'argent. C'est ici même qu'on disait que Dieu se souvienne de nous. Dieu s'est souvenu de Zacharie à cause de sa capacité à se donner pour le temple de Dieu. Vous savez, là où Dieu voit son gain, Dieu peut facilement emmener l'exaucement. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu ne donne pas parce que Dieu ne voit rien qui lui appartient. Anne a demandé un enfant à Dieu pendant longtemps. Dieu ne lui a pas donné. Mais le jour où Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai et il deviendra ton prophète. Dieu a vu son intérêt et Dieu a automatiquement donné. Quand on dit à Dieu, souviens-toi de moi, il faut aussi qu'on puisse poser des actes qui pousseront Dieu à se souvenir de nous. Quelqu'un m'entend ici? Alors même dans les temps des travaux comme ça, j'aimerais vous le dire, même comme une indication prophétique, profitez de ces moments-là pour attirer les grâces de Dieu sur vous. Amen, quelqu'un. Si tu aimerais soutenir, approche-toi des diacres de la SOC ou de Papa Emma Lesio ou Papa Fiston qui sont les intendants de l'église afin de pouvoir soutenir les travaux. Amen, quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi un message que j'aimerais dire à quelqu'un. Rappeler à l'église que nous totalisons les 1 an ce 3 décembre, que CFC France aura 1 an. Oh, tu acclames comme si tu étais jaloux. Il n'y a que Maman Marie qui a bien acclamé. On sent que vraiment elle allait des CFC. Les autres sont acclamés, ils sont assis. Ils ne sont pas contents. Voilà. Est-ce que les enfants de CFC peuvent être contents pour ça? J'ai vu un enfant de 3 mois perdre la vie. Mais on va avoir 1 an. Dieu nous fait grâce. Il nous aide. Et je crois qu'on doit rendre des actions de grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, dis à ton voisin, on peut s'asseoir, dis à ton voisin, pour les 1 an de l'église, ça doit être chaud. Alors vraiment, pour les 1 an de l'église, ça doit être comment? Ça doit être très, très, très chaud. Je ne sais pas comment vous vous préparez pour ça, mais ce jour-là, en tout cas, ça doit être chaud. Amen, quelqu'un. On va vraiment célébrer Dieu, organiser ça bien comme il faut. On a déjà mis en place un comité pour l'organisation. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Et comme c'est les 1 an, on va en profiter pour faire de ça un moment très évangélique et gagner des âmes. Donc invitez autour de vous. Amen, quelqu'un. N'oubliez pas qu'on a aussi les 1 an de l'église, notre prochaine veillée le 3 novembre. C'est la veillée de quoi? Donc c'est la nuit de la gloire que nous allons passer ce 3 novembre et tu ne dois pas manquer ça. Amen, quelqu'un. Oh, tu n'as pas dit un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. J'ai aussi une nouvelle que je vais vous donner. Je vous la donnerai à la fin. J'ai 2 annonces à vous donner à la fin. 3 annonces à vous donner à la fin. Si tu as ta dîme, lorsque ce sera le moment des offrandes, n'hésite pas à t'approcher de l'homme de Dieu. Il prie pour la dîme, il la met dans le panier des offrandes. Amen, quelqu'un. Amen.
On va en profiter alors pour accueillir toutes ces personnes qui sont là pour la première fois. Tu es quelqu'un qui est très important à mes yeux, j'aimerais vraiment te recevoir. Si tu es là pour la première fois, tu es prié de te tenir debout afin que nous puissions te recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu prenne la gloire. Amen, quelqu'un. Alors, le service de protocole va s'approcher de vous. Ils vont vous remettre un petit papier. C'est juste histoire d'avoir le premier contact avec vous. Amen. Et en tout cas, si vous n'avez pas d'église, le prophète lui-même en personne vous le dit, bienvenue à CFC. En tout cas, on vous accueille les bras ouverts. Mais si vous avez une église, est-ce qu'on les accueille les bras ouverts? Mais si vous avez une église, quand vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Vous leur dites qu'on les aime beaucoup dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que CFC peut accueillir les nouveaux venus? Est-ce qu'on peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Ça va célébrer le Seigneur après. Amen. Alors, les nouveaux venus, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi-même en personne, hein, la distance seulement, comme j'ai le micro, je ne peux pas descendre vous saluer. Sinon, je serais venu vous saluer. Amen. Si les nouveaux, avant de partir, peuvent venir en passant ici me saluer, ça me ferait beaucoup de bien de savoir même juste votre prénom. Je pense que ça nous fera beaucoup de bien. Amen, quelqu'un. Amen. Je veux qu'on puisse profiter, mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. Est-ce qu'on peut le faire? Amen. On peut se tenir debout tout le monde, s'il vous plaît. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Prends ton offrande, tu te tiens debout. Le moment des offrandes est un moment très sacré parce que c'est le moment où Dieu jure par lui-même. Quand Dieu voit que tu es capable de lui offrir, à ce moment-là, Dieu jure par lui-même. Amen, quelqu'un. Et je sens que Dieu peut jurer par lui-même, par l'offrande que tu vas donner, si tu peux te tenir debout pour honorer ses instants qui sont sacrés. Amen. À l'église, tout moment est sacré. Quand on nous dit de nous mettre debout, c'est pas pour nous embêter, mais c'est vraiment que c'est un protocole liturgique. Amen. Liturgie dans l'ingala balouanine. Bon messano, il y a l'ingomba. T'es un? Non. La liturgie, c'est la mise en scène. C'est comme le protocole établi. Merci. Bon. En français, on appelle ça la liturgie. Dis à ton voisin la liturgie. Média, s'il vous plaît. Média, s'il vous plaît. Alors, on va mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. Amen. Tout le monde regarde parce que j'ai dit média, s'il vous plaît. Merci. Eux-mêmes, ils ont compris directement. Est-ce qu'on peut mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles? Lève ta main droite, je vais prier pour les offrandes. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour les offrandes. Ma prière est que tu puisses les agréer. Nous voulons respecter ce qui est écrit dans la parole, car il est écrit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ma prière est que tu ne vois pas ces offrandes comme des sacrifices, mais que tu les vois comme une obéissance envers ta parole.
C'est parce que nous obéissons que nous faisons. C'est parce qu'il est écrit que nous accomplissons. C'est pourquoi nous demandons au Dieu des cieux que tu puisses les agréer, qu'ils soient agréables à tes yeux et que tu puisses nous donner les bénéfices de ceci. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles, s'il vous plaît.